acceptez votre destin, car vos vies touchent à... Oh, s'il te plaît, ne promets pas quelque chose que tu peux pas tenir. J'espère tellement que ma vie va toucher à mon terme en cet instant. Mettez fin à mes souffrances, pitié. On est d'accord que Original The Character est en train de sauver l'univers, là. Le soleil, il a disparu. Quoi ? Ça va poser un problème pour les années qui viennent, ça, par contre, que le soleil ait disparu. Et puis à la fin, je vais détruire le soleil, et puis même Shadow, il sera fier de moi. Et puis, du coup, j'aurai sauvé le monde entier, et du coup, je serai le nouveau meilleur super ami de tout le monde. Oh, la musique d'Harry Potter et Seigneur des Anneaux combinés, là. Dites-moi que c'est la fin du jeu. Dites-moi que c'est la fin du jeu. Dites-moi que c'est juste là, la fin du jeu, que ça s'arrête comme ça. Ce serait génial. Oh, ce serait tellement beau. Ah, non. Mission quotidienne terminée. Termine une étape avec Sonic. Bonus de mission quotidienne activé. Yes. Parce qu'il est minuit passé. Ah bah oui, parce qu'il est minuit 1. Non, minuit 7. Du coup, on a la nouvelle quête quotidienne du jour qui vient de se débloquer. Mortar Canyon. On est parti. Ça a dû utiliser une tonne d'énergie. Le rubis fantôme devrait être plus faible maintenant. C'est notre seule chance de vaincre une Phoenix. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais? Où je suis? Ok. Gameplay! Le soldat là-haut est... Son look est le truc le plus swaggy swag que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Avec sa petite moustache et sa casquette. D'accord. Ok. Je ne savais absolument pas ce que j'étais en train de faire, mais d'accord. Bon, au moins il y avait un checkpoint pas trop loin. On est où là? Ok. Ah oui, d'accord. C'est bon, là je maîtrise de nouveau là. Ah, ok. Ah merde, je voulais la ring rouge. Tant pis. Alors. L'écran est extrêmement lisible en cet instant. J'aimerais dire à quel point je trouve ça super lisible ce qui se passe. D'accord, là j'ai pris un dégât, je ne sais pas pourquoi. Et le niveau est fini. Pourquoi le niveau précédent était tellement difficile et que ce niveau-là était tellement enfantin? Quelle est la logique? Rang S. Ok. Et qu'est-ce que ce niveau vient foutre? Bref, c'est pas grave. Nous avons terminé la mission 26. Nous avons donc gagné la... It's fun to stay at the... Non, plutôt. In the Navy, where you work at the seven seas in the Navy. Le go avec ouvre-bouteille intégrée, ce qui au moins est pratique. Les chaussures sans ouvre-bouteille intégrée, ce qui sont moins pratiques. La combinaison Spider-Man orange et violette taillée spécialement pour ce stream. Ayant reporté le rang S, nous gagnons aussi. Le collier de Rapman avec un cadenas dessus. Car mon cœur, il est cadenassé pour toi, bébé. La couronne du roi des cons. Les nouveaux gants qui vont bientôt être proposés par Apple. Les baskets militaires, quand tu as besoin de mener une opération commando, mais que tu veux quand même réussir ton dunk. Le t-shirt Bjork, contrairement au t-shirt Enya tout à l'heure. Ensuite. Je suis prêt là, je suis chaud. Enchaînez-les. Enchaînez-les, je suis chaud.
Étape 27 versus Infinite. Bon, ça, ça sent par contre la fin, tout doucement. Là, j'ai l'impression qu'on se rapproche tout doucement de la fin. Pitoyable petit hérisson, même si le rubis fantôme est affaibli. Il y a quand même un nez de 8 mètres. Ça doit être bon, la jolie bleue. Je vais te montrer que tu ne fais pas le poids. Ah non, s'il faisait le poids, il courrait pas aussi vite. Je sens que ça va être de la merde, ce boss. Mais c'est pas grave. On va faire ce qu'on peut. Est-ce que c'est le vrai boss final? Quel mot veux-tu sur ton épitaphe? Le clown masqué. Bah oui, parce que c'est pas moi qui vais en avoir besoin, mais c'est lui. Du coup, c'est lui le clown masqué. C'est pas moi. Ok. Bourrinage de la touche 1. Premier hit, deuxième hit, troisième hit. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, il refait ça en fait. Ok. Il faut quand même que... Non. Ok, raté. C'est quoi ça? Passe quoi là? D'accord, ok. D'accord. Il a dû se passer un truc qui était lisible et logique, ça doit être ma faute. Ok, go. Non, go, non, go, non. Pourquoi je peux pas mettre un hit là? Expliquez-moi pourquoi je peux pas mettre un hit là, merci. 2, 3, ok. Cutscene. Eh ben ça a été long. Tu vas périr avec tes pitoyables amis. C'est vrai qu'ils sont assez pitoyables. Original the character. You'll never see it coming. Et c'est tous ensemble qu'on va gagner. L'amitié n'est rien qu'une brève illusion. L'amitié n'est rien qu'une brève illusion. Même sous ton masque, on peut voir à quel point tu es triste et seul. C'est ta réalité virtuelle du rubis fantôme qui est l'illusion. Oh la vache, c'est tellement profond ce jeu. Hop. Une fois, deux fois, trois fois. Ok. Oh merde, d'accord, ok. J'ai des rings encore? Oui, j'ai encore une ring. Ok. C'est bon. Non, c'est pas bon. Et c'est bon. Ça s'est rattrapé. Une fois, deux fois, trois fois. Et sauf que là, il va s'éloigner, donc ça sert à rien que je gâche mon turbo. Le temps qu'il fasse une attaque à la con. C'était une erreur. J'ai voulu être stratégique, c'était une erreur. Ok. Là. On est déjà genre dans le dernier petit morceau de sa barre de vie. Ah. QTE. Ils vont quand même pas finir ce combat avec une QTE quand même. Non. Non, 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 c'est pas possible. Ça peut pas être la fin du jeu, ça. Ça peut pas être le combat avec le boss final et ça peut pas se terminer sur une QTE. Non. Non. Non, Sonic Forces. Sonic Forces, écoute-moi. Écoute-moi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Non. Nous avons terminé l'étape 27. Pour avoir terminé l'étape 27, on remporte le Bulbizarre. Le gant à étoiles en couleur vert cacadois. Et les baskets qui te protègent littéralement pas le pied, mais qui te moulent le pied. Et ça, c'est quand même quoi, classe. Et le t-shirt Amy Rose, qui a encore moins de fans combinés que Tails et Knuckles.
Puisque nous avons remporté le rang S sur l'étape 27, nous gagnons aussi la petite jupe pour club échangiste, la mèche rose, le masque d'infirmière cochonne et le gant de bouffon du roi, ainsi que les baskets violettes et le t-shirt de la flamme, parce que la flamme est en toi. Si c'est la fin du jeu, je hurle de rire. C'est pas possible, ils vont pas oser. Impossible. Je suis invincible. T'as pas spécialement l'air. Ce qui est invincible, c'est le cœur, l'âme et les liens de l'amitié. Ce qui est invincible, c'est les cœurs, l'âme et les liens de l'amitié. Non. Une seconde. Je peux encore me battre. Ah, quand même. J'ai cru que ça allait être la fin du jeu, là, quand même. Tu ne manques jamais de me surprendre, Sonic. Je ne pensais pas qu'Infinite perdrait. Mais crois-moi, la victoire sera bien douce quand je t'aurai vaincu. Oui. Je t'imagine pas que c'est terminé, petite vermine bleue. C'est seulement le... Ah, quand même. Que j'y ai cru pendant un instant, hein. J'ai cru que ça allait se terminer ici. Alors... Étape 28. C'est une étape avec Sonic classique. Oh putain, mais ça se finirait. Bon, je pense que j'avais raison hein, sur les 30 stages. Hein. Ah, j'ai cru que c'était le boss final, mais non. Alors. Et quoi ce qui se passe ici? Et quoi ces missiles là subitement? Bouclier, merci. Ok. Je comprends rien à ce qui se passe dans ce niveau. Je ne comprends rien. Ok, c'est bon. Tout va bien se passer. D'accord, pourquoi pas. Ah oui, parce que ça en fait. Voilà pourquoi pas. Ok, c'est absolument immaniable. Ok. Parce que si tu te propulses pas pile au bon moment, tu es dans le cul en fait. Ok. D'accord. En même temps, c'est un jeu de plateforme, donc ça va, c'est cohérent. Bon, ça fait un peu musique de FF quand même ça. Alors. Mais merde! Pardon. Passe là ta putain de plateforme, sac à foutre. Merci, on va pas y passer la semaine, bordel de fion. C'est de l'autoscroll? C'est du putain d'autoscroll. Ouais, c'est vraiment ce qui manquait là. À ce point précis de l'histoire, c'est vraiment le moment où il faut mettre un stage en autoscroll. Parce que, en plus, vous avez vraiment un set de contrôle qui fait que l'autoscroll, ça marche vachement bien, en fait. Ok. Ça va pas être chiant. Ça va pas être chiant. Ça a l'air de... Ça... Alors, parce que là, vous voyez ça, vous dites... Ah, Elton, j'ai peur que ça devienne chiant. Ça va pas être chiant. Est-ce que je permettrai à ce stream de devenir chiant? Vous savez déjà la réponse. Au fond de votre cœur, vous connaissez la vérité. Ok, ça va être chiant. Ça va être super chiant. Ça va être ultra chiant. Grand Dieu, ce que ça va être chiant. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ce que ça va être chiant. Ah, j'aurais dû le passer du premier coup. Ah, le jeu vidéo était une erreur. Oh, mais le jeu vidéo était tellement une erreur. Ok. Bon, jusqu'ici, ça va.
Et Dieu sait que je sais que je devrais jamais dire ces phrases-là. Pourquoi je dis encore des phrases comme « jusqu'ici, ça va » ? Je sais très bien comment ça va se finir. Comme ça ? Ça va se finir comme ça ? Parce que comment ça se finirait autrement ? Hein ? Que quelqu'un me dise comment ça se finirait autrement. Alors... Et comme il y a l'auto-scroll, ça m'empêche de sauter sur la plateforme qui est à côté, parce que le scroll a décidé que c'était pas encore ouvert. C'est-à-dire que si je fais ça, vous voyez, je me cogne contre le bord. Et je me cogne même pas techniquement contre le bord, je me cogne contre genre 1 cm du bord, qui fait que je vois la plateforme déjà, mais j'ai pas le droit de sauter dessus. Parce que la perspective est pas encore dans le bon sens. Vous voyez ? Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Mais c'est vraiment de la merde, hein. Ah, ça fait pas semblant. Il y a des passages qui sont... Et je veux pas ensuite... Je veux pas démonter le jeu, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment sympas, hein. Il y a eu plusieurs moments dans le jeu où j'ai fait... Ah ouais, putain, c'est pas mal. Et même des moments où je le l'ai un peu, mais... Certains niveaux avec Originelle de caractère qui sont pas si mauvais, et même avec le Sonic moderne, il y a des moments où... Dans le jeu, t'as un vrai flow. Et t'as des vrais trucs qui coulent de manière à peu près naturelle et sympathique. Et là, le jeu est vraiment bien. Et régulièrement dans le jeu, t'as ces passages qui sont absolument imbaisables. Qui ont dû être mis histoire de rallonger un petit peu la durée de vie. Parce que je vois vraiment pas d'autre explication. Et là, le jeu décide que tu vas te faire baiser. Et puis c'est tout. Et puis si t'avais envie de jouer, ben tough shit. Parce que tu vas te faire avoir et point. Un checkpoint, pitié, un checkpoint. Je suis censé faire quoi, là? Je suis censé faire quoi, bordel? Checkpoint. Merci. Oh, putain. Ok, pareil, là, je sais pas ce que j'étais censé faire, mais d'accord. Ok, donc là j'étais baisé quoi qu'il arrive, d'accord. Non. Ok, tant pis, j'avais pas le choix de les prendre, ok. Une ring, s'il vous plaît, une ring. Merci. Les bottes de vitesse qui durent 2 secondes, c'est vraiment le truc le plus bizarre du jeu jusqu'ici. Ok. Même avec le bonus de mission quotidienne, on n'ira pas très loin, là. On va terminer l'étape 28. Nous remportons la doudoune pour partir au ski cet hiver. Le chapeau de pirate, mais pirate qui se pose un peu des questions sur son emplacement. Au début, j'ai cru que c'était un soutien-gorge, et en fait, c'est une barbe. Le masque pour les soirées échangistes de Monsieur Gray. Les chaussures que tu ne mettras jamais de ta vie. C3PO. Les bottes, en fait, elles ont leurs effets tant que tu t'arrêtes pas. Ah, ce serait censé, Metalipi. Ok. J'avoue que ça se tiendrait. Étape 29, Final Judgment. Un peu un nom de zone finale, ça, quand même. Hein. Bon, on va voir. Surtout qu'on joue avec Sonic et Original The Character, donc bon. Allez, carrément. Et pourquoi mes touches ne répondent plus subitement? Ok. Ouais. Ouais, c'était juste impossible à éviter, ça, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Il faut repérer les trucs qui... Ah oui, mais je peux... Ok, d'accord.
Mais le système de défense est dur à pirater avec les moyens. On va faire ça plutôt en fait, ça va être mieux. Ok, non, on va pas faire ça en fait, on va faire ça, ça sera mieux. Alors. Ah oui, mais en fait, il faut les savoir par cœur, en fait, c'est la seule solution. D'accord. Alors c'est là qu'Herman a conçu une fille. C'est tellement triste. Quel endroit isolé pour admirer au monde. Ok, comme ça, on y arrive. Une petite ring, s'il vous plaît. Non, non, parce qu'en fait, le caméra se met derrière Sonic, mais c'est pas Sonic que tu joues, c'est Original the Character. Donc, si tu te bases sur Sonic à ce moment-là, tu as dans le cul. D'accord. Donc ça, tu peux pas le récupérer. Ok. Et puis c'est bien d'avoir remis les répliques à chaque fois, c'est pas chiant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de péchés cardinaux de Sonic que ce jeu commet, comme le fait de te foutre des rings à des endroits où tu te prends des dommages. C'est-à-dire que tu es dans un truc en auto-scroll, donc théoriquement, le machin, tu utilises les rings pour te pointer sur les endroits où si tu te mets, tu te prends rien. Mais là, les rings sont mis à des endroits pour volontairement que tu te prennes des dommages, en fait. Et les touches qui répondent une fois sur quatre aussi, c'est pas frustrant. Non. Alors ensuite, c'est celui-là. Ensuite, c'est celui-là. Et ensuite, c'est celui-là. Voilà. Du coup, une fois que tu apprends ça, ça se passe. Ok. Ensuite. Appuyez sur rien en fait. Ok. Du coup, ça t'oblige à se l'allumer entre les trucs. Ok, d'accord. Checkpoint. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est le même dans lequel je tape ou non, c'est deux différents. Ok. Ah d'accord, fallait que je prenne Sonic en fait. Ok. Ok. Il y en a encore un troisième, il est là. D'accord. Ah oui, il a mis son truc électrique en place, ok. D'accord. Voilà. C'est bon. Ah oui, et... J'adore le fait que c'est la même musique à chaque fois. J'ai littéralement pas appuyé sur une touche ou une direction de tout ce passage. Je tiens à ce que ce soit dit. Ouais, ce sera pas du S-Rank, là. Clairement. Pour avoir accompli l'épisode 29, nous avons gagné le costume de Chevalier du Soleil, le chapeau de forme de Mario Odyssey, le serpent noir, les bottes que tu mettras cet hiver, le blouson à zipper quand tu as vraiment besoin de te déshabiller en urgence. Salut Marou!